Contactez-nous. Rendez-vous info. Bonsoir tout le monde. Qui vient nous y aujourd'hui? Non pas, c'est Valerio, c'est lui, depuis studio nous, dans Washington DC, où on a rendez-vous info. Nous paraît, si nous paraît, nous même dans VOA Creole, nous paraît pour nous casser mon actualité ensemble avec vous. Les amis, mes grands titres actualité nouvelle. Yo. Donald Trump a organisé premier rassemblement campagne qui était fait dehors depuis que le si vive tentative assassinat ça qui était fait contre lui mois passé. Moyen-Orient plus passé 100 000 résidents Gaza continuent de déplacer en bas l'ordre l'armée Israël. Haïti, gouvernement, ensemble avec secteur concerné, a mené consultation pour formation, conseil électoral provisoire. Et puis, premier ministre haïtien Gary Conille réagit sous sanctions que les États-Unis prennent contre ancien président Michel Martelly. Grand titre, ça y a exode pour développer pour journée jeudi à un bulletin nouvelle, nous qui c'est rendez-vous info, nous pour aller dans la ville Chicago. Mais juste avant, nous pour aller faire connaître que c'est Jacqueline Bélizère qui s'est envoyé spécial nous depuis ville Chicago, qui a rapporté à nous qui Jean, convention Parti démocrate a déroulé. VOA Creole dans United Center pour convention nationale Parti démocrate là. Restez branchés pour capable gagner toute information. Défilé grande personnalité, grande figure Parti démocrate là, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama, Joe Biden et très naturellement Kamala Harris avec Tim Walz. Donc restez branchés sur VOA Creole pour capable gagner toute information ça. Nous c'est VOA Creole, c'est nous qui a fait ça. Moi c'est Jacques Lévinisé. Collaborateur nous, Jacques Lemélisère, qui sous place, cap gade, cap tende et cap suivre pour de très près qui Jean Convention Parti démocrate a déroulé dans ville Chicago. Nous allons rejoindre Jacques Lemélisère depuis ville Chicago. Jeudi à ses quatrième journée, hein, Jacques Lemélisère, dis-nous, jeudi à, finalement, c'est jour final, là, c'est le grand jour quand même pour Parti démocrate là. Mais juste avant, peut-être nous café nous un rappel de journée hier, Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir Valério, tant qu'on dit le jeudi, c'est pratiquement ça, oui, en français, le compte à rebours. Jeudi, c'est jour J, côté que Kamala Harris, lui-même, il pral fait discours d'acceptation. Mais hier, c'est un gros jour tout, parce que c'était Tim Walz, gouverneur Minnesota, lui-même qui t'a prononcé discours d'acceptation, côté que grand pile monde qui considérait discours ça comme un discours d'introduction. Côté que monsieur exposé tête li histoire li histoire Nebraska tout côté le sotia côté que monsieur c'est un nèg qui pas très connu avant que Kamala Harris choisisse mais Konya li vinn très connu parce que Konya li c'est colistier Kamala Harris. Donc c'était troisième soirée li te mette comme d'habitude un paquet de grands noms qui sorti dans parti démocrate là à côté de l'autre monde encore qui des grandes figures médiatiques par exemple et nous capable dit Oprah Winfrey nous te gain tout Stevie Wonder gros musicien ça avec sans oublier un monde tant et Cory Booker qui sorti dans New Jersey et pral gagner tout Bill Clinton. Bill Clinton ancien président et américain les mêmes grand pile monde qui t'attend ni. C'est sûr que l'avancée en âge, mais ou toujours senti expression toujours là. Et lui-même, il était doux que l'utiliser expérience li, non seulement dans la Maison Blanche, mais c'est un monde qui fait plusieurs dizaines d'années à suivre convention démocrate là. Et il était venu expliquer pour qui ça, yon monde doit choisir Kamala Harris sous Donald Trump. Il dit parce que Donald Trump, c'est moi-même, alors que et Kamala Harris, lui-même, c'est tout peuple là que l'ouel. Donc c'est une soirée qui était absolument spéciale et surtout si on titre qu'on tape by soirée, c'est que Tim Walz lui-même l'a accepté. Choix délégué américain, délégué Parti démocrate l'a fait pour choisir comme candidat pour une vice-président les États-Unis. En allant ça plus près. Troisième soirée convention nationale Parti démocrate là dans United Center dans Chicago. Gouverneur Tim Walz accepté nomination Parti comme candidat pour vice-président dans élection novembre. C'était une soirée qui était réunie encore sous plateforme United Center quelques grandes célébrités Parti parmi eux ancien président Bill Clinton qui mandait peuple américain pour choisir Kamala Harris sous Donald Trump. Kamala Harris for the people. Kamala Harris c'est pour peuple là. Mais l'autre camarade là, il pouvait une autre fois encore, c'est en question de tête li. Moi-même et moi-même encore. Ancien président Bill Clinton c'est un orateur t'a tant en pile dans soirée.
Clinton, qui était assisté toute convention démocrate depuis 1972, inspiré de propre expérience dans la Maison Blanche pour expliquer pour qui ça lui pensait, vice-président Kamala Harris, c'est son meilleur choix dans l'élection novembre. Kamala Harris a fait effort pour résoudre le problème, saisir l'opportunité, calmer crainte et veiller pour chaque grain américain, quelle que soit façon de voter, joindre un moyen pour le réaliser rêver. Même Jean Hack lundi et mardi, c'était une soirée riche. Mais le moment qui t'a pris le plus important, c'est le gouverneur Minnesota, Tim Walz, t'a pris le délivré discours d'acceptation. It's the honor of my life. C'est un honneur pour moi, honneur ravime pour m'accepter nomination nous pour candidat pour tourner vice-président les États-Unis. Pour un pile moun nan foule là et moun qui t'a suivre convention que ce soit dans télévision ou bien dans réseaux sociaux, et mes discours gouverneur Walz, c'était une introduction. I grew up in Butte, Nebraska. Moi grandi nan Butte nan Nebraska, yon ti ville qui gen 400 habitants. Nan lycée moi te gen 24 ti moun nan classe moi. Aucun nan yo pata liel. Mais m'ap di nou, les m'ap grandi nan yon ville comme ça, moi apprend chaque moun doit prendre soin yon lot. Tim Walz, c'est un vétéran dans la main, un ancien professeur et entraîneur football et basketball dans l'école américaine. En plus, le monde pensait, élément ça yo qui bien chita dans la biographie parel pour yon carrière politique. But it was those players and my students. C'est joueurs ça yo, ak étudiants yo qui t'ai poussé à le candidat dans congrès. Yo t'ai wè nan mwen tout ça que moi-même m'étais enseigné yo qui c'est engagement en faveur bien commun, compréhension que nous toutes nous dans même bateau a, à conviction que yo seul moun ka fè yon gros différence dans la vie moun ka viv bon côté. Et gouverneur Walz t'a pral fini discours là ak yon éloge pour liberté et li précisé yo même démocrate yo choisi liberté. But when we Democrats talk about freedom. Liberté pour choisir ça qui bon pour nous, pour santé, liberté pour voir ti moun ou l'école sans ou pas besoin pè pour un bal marron pas prendre. Et question ça t'est dans mi-temps tout thème que démocratie tape évoqué, par exemple droit reproductif, question sur environnement, sécurité sous frontière. Et puis dans occasion 4e et dernière soirée, Kamala Harris pral présenté by délégué au discours d'acceptation pour le dire non seulement il accepté choix délégué mais pour le remercier pour confiance là pour la représenter parti démocrate là dans élection novembre. Jacqueline, une convention qui a passé jusqu'à présent très bien. Pendant qu'on sous place, dis-nous qu'on y a là ou ben nous idée de qui ça a passé de yo, est-ce que il y a toujours manifestation et puis pour jeudi qui c'est nous on dit tout à l'heure là le contrat Webo gros jour final là qui ça gagne dans programmation pour jeudi. Et bon d'abord t'es gagné et yo t'es prévoit et gagne gros manifestation qui t'a fait mais pour dans zone dans périmètre côté United Center aya où est des petits groupes moun qui continuer à toujours avec moun à faire manifestation et contre guerre Israël Hamas là mais pour côté nous est là ou capable tendre son yo c'est ambiance là c'est décor qui a continuer planter pour asseoir. Kamala Harris prend la parole pour li tankou nous sot dil ta lè pour le capable remercier délégué et pour le capable dire merci de ce que vous fait choix de lui pour le représenter parti dans élection qui va dérouler en novembre prochain. Mais tout yo gen spécialiste qui déjà prévoit ça le pral di dans discours notamment il pral présenter héritage que Joe Biden quitté pour lui et qui j'en la remercier Joe Biden pour ça le fait pour pays pour ça l'a continuer fait pour pays mais il pral présenter tête li tout comme un monde qui a fait l'histoire un monde qui sont maman classe moyenne parce que toute campagne là a déroulé autour de la classe moyenne et lui même l'a présenté tête li comme un champion de la classe moyenne parce que il gagne des bagages que le vive que le capable est associé avec classe moyenne donc assoya c'est gros joie côté que nous pral suivre et discours d'acceptation Kamala Harris. On dit que nous censé casser rendez-vous ensemble avec vous Jacqueline moi-même avec vous n'a pas et tout le monde qui branché là yo rendez-vous assoya c'est 9h 9h30 du soir sous plateforme VOA Creole pour nous suivre discours ça et souvler et ben dernier jour convention parti démocrate depuis ville Chicago. Merci Jacqueline Bélizère depuis ville Chicago. La prochaine actualité à une fois qu'on est que si parti démocrate dans lui-même et ben li en pleine convention que l'a fait là dans moment nous sommes là dans ville Chicago. Ancien président Donald Trump lui-même a essayé ouais s'il capable mener actualité à virer lumière nouvelle yo sous lui. C'est comme ça que il était fait jeudi à et ben un gros meeting, un meeting campagne qui était fait dehors. Et c'est une campagne qui était faite dehors, meeting n'était fait pas dehors, c'est première fois qu'il fait ça depuis après qu'il était font tentative assassinat contre lui.
Hier mercredi, dans l'État Caroline du Nord, Donald Trump a organisé le premier rassemblement qui était fait dehors depuis qu'il était si vive tentative d'assassinat qui était faite contre lui mois passé. Il était critiqué approche vice-président Kamala Harris sous affaire sécurité nationale là dans quatre voyages pendant une semaine à travers le pays. Une façon pour essayer de dévier l'attention démocrate sous convention nationale ça qui a déroulé dans la ville de Chicago. Si camarade Kamala gagne élection en novembre ça, c'est garanti que troisième guerre mondiale là a privé. Tout ça li manyen, li détruit, tout ça li manyen. Gardez ville, li te procureur district là dans ville San Francisco. Et côté ça tourner you l'enfer. Donald Trump te blâmé actuel locataire Maison Blanche pour retrait troupes dans Afghanistan avec tout la guerre entre la Russie et l'Ukraine et puis tout la guerre entre Israël et Hamas. No one will ever forget the horrifying images of their catastrophic retreat from Afghanistan. Personne pas jamais oublié image terrible retrait catastrophique troupes yo sorti dans Afghanistan. Afghan désespéré yo té mouri en bas ou avion cargo américain qui té à 3000 pieds en l'air. Terroriste qui té soif sans yo té sauvé sorti dans prison yo après que Biden ak Harris té rend ville Bagram qui c'est yon nan pi gros base militaire aérien dans monde là. Donald Trump té parlé dans espace North Carolina Aviation Museum and Hall of Fame, derrière un podium qui était entouré par vide blindé qui pas cap prend balle, qui était formé un mirail protection à travers estrade côté que le campé dans cadre mesi sécurité qui était metté sous pied, qui était visé pour bail ancien président sécurité après que le échappé en bas un attentat assassinat dans Pennsylvanie dans date 13 juillet. Yo te empilé gros conteneur dépôt aux alentours périmètre côté que le tap palé a pour créer un barrage additionnel qui bloquait ligne vision G n'importe tiré professionnel qui t'a positionné sous docaille aux alentours local là. Te gagné tout ancien avion yo qui t'est posté derrière podium nan et puis un gros drapeau américain qui t'est croché sous deux trépieds. Événement ça que campagne Donald Trump t'a organisé t'est concentré sous problème sécurité nationale là et il fait partie de une série programme contre convention démocratie que Donald Trump a mené pour une semaine pendant déroulement convention nationale démocratique qui sous pied dans ville Chicago. Allié Donald Trump a demandé pour concentrer plus sur politique au lieu que le fait attaque personnelle pendant que la gourmet pour adapter tête dans la course électorale ça contre Kamala Harris après que président Joe Biden t'ait abandonné course là. Donc de nouvelle actualité a, et ben c'est sanction ça que pays les États-Unis prend contre ancien président Joseph Michel Martelly. En pile réaction continue à tomber. Nous pas le présenter quelques réactions journée jeudi en une autre fois encore toujours question réaction. Et ben c'est dans pays d'Haïti pendant une visite que le t'a fait dans pays dans ville au Cap on nous dit c'est en Haïti que ça l'a fait. Et ben premier ministre Gary Conny t'a réagi, il t'a demandé pays amis Haïti qui lui même prend sanction qui veut dire les États-Unis puis il t'a partagé ensemble avec lui information que yo gagné. N'a pour joindre Gérard Maximo depuis ville au Cap qui t'a prend réaction. Déclaration Premier ministre Gary Conny. Population haïtienne dans le vent jour et elle tendait que un pays de ses amis qui a pile moyen annoncer que l'ancien président que l'élu fait des choses qui sont assez graves. Population voulait comprendre. Il voulait gagner information, il voulait qu'un détail, il voulait appréhender ce qui passait. Donc responsabilité de l'État, c'est avant tout pour que le ministre de justice là mande des amis. S'il vous plaît, partagez avec moi la documentation, partagez avec moi l'information pour que vous compreniez ce qui se passe. Mais deuxièmement, il faut que l'institution responsable pour ça, vous même tout, vous puissiez regarder ce qui se passe à peu près, vous puissiez essayer de comprendre pour vous venir expliquer à la population qui ça bagaille là y est en réalité, qui fondement qui gagne dans ça, et côté, bah, ça soit. Donc, responsabilité de l'État, c'est ça. Mais comme je dis, non, qui est très important. Il y a une raison qui fait que ces paysans qui ont sanctionné, c'est parce que le système de justice panouan pas fonctionné. Si le système de justice panouan a fonctionné, si nous prenons responsabilité pour que gagner imputabilité, nous n'avons pas besoin de l'autre ami qui est obligé, l'autre pays va venir en ça. Merci Gérard Maxino. On a rappelé encore une fois, c'était Premier ministre Gary Conny qui t'a réagi depuis ville au Cap sous sanction, ça, que puis les États-Unis prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly. Toujours réaction. Fois ça, nous pour aller dans la cour Miami. Dans Miami, on a pour joindre Luxon Saint-Ville qui même promenait caméra avec Micoli pour faire un micro-trottoir pour comprendre et le tendez qui, Jean, quelques monde dans la cour Miami a réagi. Qui ça a pensé de sanction, ça, que puis les États-Unis prennent contre ancien président Joseph Michel Martelly? Jean nous capable c'est en bas la pli dans Florida nous t'ai traîné micro nous pour nous prendre impression quelques citoyens haïtiens sous sanction que pays les États-Unis à travers département trésor américain prend contre ancien président Michel Joseph Martelly.
son sujet qui est extrêmement sensible, moun yo pas vraiment envie parler. Mais quelqu'un moun qui réussit ba nous ou bien casser Timoso la parole avec nous. Fait qu'on est d'abord, c'est une sanction qui pas étonné yo, yo bien accueilli. Cependant, il aurait été un petit cas sceptique quant à suivi qui qu'a fait après sanction ça yo. Plusieurs là dans yo dit nous Martelly toujours dans Florida a continuer fonctionner. Il aurait été quoi? C'est une sanction qui t'a doué plus sérieux et gain l'autre monde qui t'a doué sous liste ça. Moi d'après Jean Barayo et d'après Jean de connaître moi il mérite ça. Il mérite pour la pour gain sanction. Sous lui. Parce que étant un ancien président, c'est pas ça que vous nous attendez de lui-même. Pour moi-même, je prends une bonne décision. Ok? Je prends une bonne décision parce que côté pays est là, c'est eux-mêmes qui causent. Pays a plein de gangs tout partout, c'est eux-mêmes qui mettent des âmes dans les mains. Je suis capable de dire qu'il m'a fait sur le cartement de l'ex-président au bagage, il n'est pas d'accord. Et puis, je te serre la police, on se sent qu'il a déjà eu un coup de travail. Et ça, ça me décale. Eh bon ton dat matériel là qu'on a comment avec qu'on a sanction ça veut dire on a mené enquête et qu'on a découvert quelque bagaille non sanction pour les États-Unis bon peuple là remet matériel ils sont pas qu'il y a d'autres sanctions qui continuer non pas toi qu'il est temps qu'il est arrivé pour être arrivé sous matériel maintenant ça s'est arrivé sous matériel là d'après ça m'entendre dans l'arrière m'pas satisfait matériel c'est là qu'il est là en Floride si ça ça veut dire un nom de coup matériel. C'était qu'à vous, il y a maté, il descend en Haïti, peut-être qu'il y a une fièvre. Peut-être qu'il y a une fièvre, et puis il y a un côté pour elle, TK, il y a un soin. Mais il y a un côté pour elle, mais il y a une cause, il n'y a pas aller, et puis peut-être qu'il y a une tête liée, elle descend, il y a descend en bas. Maté, normalement, tu as toujours dit qui est lié. Et malheureusement, Maté, il est arrivé président, mais il a toujours dit qui est lié. Sanction pour moi-même. Il faut sanction aller plus loin, puisque Matéli, nous connaissons un homme fort, il faut que sanction aller au-delà. En attendant, il y a l'autre étape qui franchit dans le dossier à Michel Joseph Martelly avec groupe Les Suites, mais qui est programmé pour 3 balles ici aux États-Unis. Il y a une fête dans New York, dans le cadre week-end Labor Day, il y a l'autre dans New Jersey et un dernier dans la ville Washington. Depuis Miami, l'État Floride, Luxon Saint-Ville, pour VOA Creole. Merci Luçon Séville, n'a viré page actualité à fois ça pour notre international là et l'international on a fort connait que nous pour aller dans Moyen-Orient côté que plus passer 100 000 présidents dans Gaza continue à déplacer ceci en bas l'ordre l'armée Israël côté que jusqu'à présent ils continuent à chercher pour joindre ou camper tirer dans affaire la guerre en Gaza. Gentil Junior Augustin, reportage. Plus passé 100 000 Palestiniens qui déplacés dans le centre Gaza continuent à déplacer toujours. C'est ça, yon responsable Bio Nations Unies pour coordination affaires humanitaires. OCHA, dimadi 20 août 2024 là. Jeudi 22 août 2024 là, l'armée Israël là, bay nouveau l'ordre pour Palestiniens quitter zone de Halbala à Khan Younis. Jonathan Whitehall, c'est un dirigeant dans bureau l'ONU qui coordonne affaires humanitaires. Li di, over the past days, nan dernier jour sa yo, yon nouveau lot évacuation concerné plus passé 100 000 moun ke yo te déjà meté deyò nan région Khan Younis ak de Halbala. Yo déplacé seulement ak kek ti bagay personnel yo genyen. Et puis y a cherché yon côté pour yo prendre yon abri temporaire. Misère résident yo nan de Halbala ki yon l'autre fois encore nan mouvement pour yo chaper en bas bataille yo. Vin pi grave pendant y a tann jusqu'à présent yon accord pour suspendre tirer qui paraît ici passé. Hamjad Mekdad, yon déplacé palestinien dit: nous déplacer plusieurs fois et puis kounyeya nous pas konnen ki côté pou nan ale. Nous pral déplacer ak ti moun nou yo ak fam yo lè li fin jou et puis espérer que situation sa pral fini. C'est pas seulement résident nan de Halbala k'ap déplacer. Résident nan Khan Younis nan pati l'ouest Gaza yo même tout pété kouri après l'armée Israël la te bay lòd pou yo kite zon nan. Hamed Habu Rejala, yon déplacé dit:
C'est la mort qui gen plus pitié pour nous dans pays ça. C'est la mort qui gen plus pitié pour nous dans pays ça. Nous déplacer 20 fois déjà. Moins sermenté, caille nous, attente nous craser. Yo pas voulez nous vivre. Oh bon Dieu, yo pas voulez nous jouir la vie nous dit tout. Pi fort nan 2.3 millions résidents Gaza yo te déplacé plusieurs fois depuis commencement la guerre entre Hamas ak l'armée Israël la. Même nan zon yo di ki gen sécurité yo, toujours gen nouvelle ki rapporte victime après chaque frappe l'armée Israël la. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci gentil Augustin Junior, m'a prêt pour brancher VOA Creole ou nan rendez-vous info. N'a salué en façon spéciale tout affilié nous yo qui pourrait transmettre rendez-vous info à travers sous territoire national là et quelque soit côté. Dans 30 secondes l'en tourner, n'a pas entré dans actualité à depuis pays d'Haïti. Actualité nouvelle après poursuivre dans rendez-vous info fois ça nous dans pays d'Haïti même sous actualité là faut qu'on ait que formation conseil électoral provisoire commencé faite c'est comme ça que conseil présidentiel transition by secteur qui concerné jusqu'à date 26 d'août ça puis envoyer non représentant dans conseil électoral provisoire à nous suivre un reportage correspondant nous sous place depuis Port-au-Prince Yves Manuel. Conseil présidentiel transition, dans un communiqué qui date 20 août 2024 là, cémenté date 28 août 2024 là a respecté pour formation conseil électoral provisoire. CPTA conscient de cause retard qui constaté dans processus formation conseil électoral là. Par conséquent, branche exécutif là accordé à secteur qui poko désigner représentant yo, yon délai en plus cap terminé lundi 26 d'août 2024 pour communiquer qui choix yo KEPA a formé d'ici fin mois d'août 2024 là s'il fait confiance à explication membre conseil présidentiel transition conseiller présidentiel yo a analysé cause retard qui gain pour avec formation conseil électoral provisoire étant donné que retard ça li expliqué par diverses raisons tant que contestation qui a fait bon côté certaines institutions ak organisation même secteur gain tout yon l'autre côté thème référence là qui pas respecté bon côté organisation ça yo. D'après directeur exécutif organisation citoyenne pour Yon Nouvelle Haïti au CNH, M. Camille Oxius, secteur droit mounan a bien pour communiquer non représentant yon dans le conseil présidentiel transition vendredi 23 d'août. N'a pas souligné, la presse avec l'église catholique, c'est deux secteurs qui pas fait objet de contestation dans la désignation représentant Mamio dans le conseil électoral provisoire. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Merci Yves Manuel, toujours dans Port-au-Prince, la prêté pour une fois qu'on est que correspondant sous place. Ou dans Toussaint, et suivre pour nous une conférence pour la presse que Maître Arnel Rémy, ensemble avec une journaliste, te baille sur question rapport ça. Rapport ça que DCPJ te fait. DCPJ sorti à rapport ça et dans rapport à l'icité, non plusieurs journalistes. En aller avec Ou dans Toussaint. Nous voulons faire action en habeas corpus préventif. Parce que il y a une menace contre la liberté individuelle de ces clients, de ces journalistes. Maître Arnel Rémy, qui présentait tête li comme avocat quatre journalistes haïtiens, n'a yo figuré dans un quelconque rapport de CPJ qui veut connaître que Librel fait une action en habeas corpus préventif le fait que il y a une menace contre la liberté individuelle contre client yo. On pas obligé tant que DCPJ voue rapport là. Dans parquet. On va obligé tant que DCPJ arrête monsieur. Donc moi-même comme avocat, rôle moi vini. Rôle moi c'est accompagner client, faire procédure pour protéger liberté client. Et travail ça, n'a saisi le tribunal de première instance pour faire habeas corpus préventif là parce que son référé sur le plan individuel que lié. Maintenant pour nous dire écoutez doyen, bon rapport qui sorti. Bon journaliste qui a arrêté que tu as fait de toi déclaration, qui t'a dit que journaliste t'a gagné quelconque lien avec Bandi. Mais qu'on a puisque on connaît droit son science de preuve lié. Donnez-moi les faits, je vous donne le droit. Maître Anne Rémy dit l'abgoumen pour faire respecter droit journaliste, il estimé d'après la loi
qui gen droit parler ak n'importe monde en respectant règle républicaine. C'est un dossier que n'ap sur pour Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint et nous connaissons que jeudi à c'est jeudi pas vrai chaque jeudi eh ben mesdames femmes yo gen place yo dans VOA Creole c'est cause et femmes et fois ça nous pral rencontrer avec madame Aldine Davis Hallman qui c'est une dame qui est même dans 60 ans et eh ben elle toujours participé dans plusieurs conventions parti démocrate là et année ça une autre fois encore elle répond présent nous pral suivre avec Obed Lamy un reportage et cause et femmes ça qui pral parler avec dame ça il pral expliquer qui je depuis combien années la suivre les conventions ça et année ça répond présent son exercice démocratique que le très apprécié. En aller avec Obed Lamy, nous n'en causé femme. Pour réaliser convention EOA, Parti démocrate l'a mobilisé plus passé 12 000 volontaires. Parmi eux, il y a Aldine, une dame qui n'a 60 ans qui soutient dans l'État Arizona. I believe that American people just regularly. Moi, quoi, peuple américain, et spécialement citoyen ordinaire, doit participer dans le processus démocratie. Ou t'as saisi, ouais, toute quantité de travail qui fait juste pour mettre convention ça sous pied. Là où est intervenant ça sous scène hier soir, c'est plusieurs monde qui travaillent ensemble dans coulisses pour assurer le programme bien déroulé, besoin au satisfait et tout discours bien passé. C'est un processus qui est vraiment intéressant. En général, volontaires ont commencé à arriver dans ce stade-là depuis 10 ans matin pour une journée de travail qui finit bien tard à soir. Ils ont fait plusieurs qualités de job, soutien à accueil, transportation, médias et sécurité. Aldine ba nou yon l'idée sur comment journée li déroulé dans convention. So I'm working in production. Moi ap travaille dans production. Donc activité nous fait tout d'abord c'est vérifier quatre identifications intervenants qui a entré et puis mener dans coulisses là. Après ça nous mener dans salle pour faire cheveux avec maquillage et puis connecter yo avec orateur yo pour capable réviser discours yo et puis assurer tout bagaille bien passé. Après ça nous mener dans salle côté pour cadre temps yo avant remonter sur scène là. Toute étape ça ressemble simple mais c'est vraiment compliqué. Et nous avons plus passé 15 000 personnes qui mettaient ensemble pour faire travail ça. C'était dans l'année 1984, dans la ville de San Francisco, Californie, Aldine te fait première expérience volontariat dans la convention démocrate. Parce qu'elle a raté l'événement ça seulement deux fois, année ça allait sur 8e convention li, et une des choses qui différent comparé à l'année passée, c'est la participation jeune. En général, les jeunes qui viennent dans la convention, c'est souvent parce qu'ils ont accompagné parents ou sinon ils viennent juste pour l'expérience. Mais les jeunes qui sont au moins dans la convention année ça, ils prennent un job vraiment au sérieux. Pas qu'ils ont seul débat dans coulisses là côté jeune moun yo pas en charge et puis yo fait vraiment un bel travail ou tu vas pour gagner en télévision hier soir li fait sans faute tout bagage allait bien rapide c'est parce que gen pile jeune moun qui mette men en patte là derrière scène c'est vraiment excitant c'est comme ça États-Unis doyé c'est comme ça processus là doyé. Les conventions ont fini, Aldine a retourné dans le travail régulier comme consultant dans un magasin meuble dans Arizona. Et puis, il a continué à participer dans la campagne pour aider Kamala Harris à gagner l'élection. Mais est-ce qu'il compte faire volontariat encore dans la convention 2028 là? Chaque fois que j'allais dans une convention, je dis tête moins c'est dernière convention m'a fait parce que yo fait un travail trop dit. Et puis l'aime retourner la caïman, gagne une autre convention et puis moi commencer travail sous les pires. Donc, c'est comme ça est. Obed Lamy, pouvez-vous à Creole depuis Chicago? Merci Obed Lamy, c'était section ça que nous réservait pour mesdames femmes dans VOA Creole qui s'est causé femme, c'est chaque jeudi que nous avons causé femme. Et bien c'est sous notre ça, amis internautes, amis téléspectateurs, nous même qui branchés VOA Creole, nous pral rive bout déjà dans bulletin nouvelle nous pour journée jeudi à rendez-vous info, n'a saluer tout affilié au cap pour retransmettre édition rendez-vous info à travers territoire national là et certainement quelque soit côté à travers le monde. Mais grand point que nous avons développé journée jeudi ensemble avec vous, nous te joindre réaction sous sanction ça que pays les États-Unis prend contre ancien président Joseph Michel Martelly. Parmi réaction yo, nous te joignons réaction Premier ministre Gary Conille depuis Haïti. Il te réagit et puis gouvernement lui-même avec secteur concerné yo, il a travaillé pour formation conseil électoral provisoire là. Et puis ici aux États-Unis, Donald Trump lui-même t'a organisé et ben un rassemblement campagne qui t'est fait dehors. C'est première fois que le tournait dehors pour faire campagne après que t'es font tentative assassinat contre lui dans mois qui saute passé là. C'est grand titre ça qui t'est développé pour journée aujourd'hui en appelé que Assoya branché oui. Soit à 9h30 ou émission spéciale. Jacqueline Bélizère, depuis Ville Chicago, a pu joindre maintenant studio Washington DC pour nous présenter une émission spéciale sous dernier jour convention Parti démocrate là, ou émission qu'on pas raté. Et puis certainement, on a salué tout le monde qui te permet de nous réaliser émission ça. Jean-Marc Hervé Abela, qui lui-même à la il est sous table contrôle là. Merci Jean-Marc Hervé Abela. Bonsoir tout le monde. Rendez-vous demain, ou du moins, rendez-vous à soir. Non, pas, c'était Valério Saint-Louis. C'était les SMT nous que ancien président Michel Joseph Martelly, monsieur vraiment prend un gros courrier dans le pays États-Unis.
Ancien président Michel Joseph Martelly, monsieur Prana gros courri, m'amretil encore, dans le pays États-Unis. Et en pile avocat, connaissait la loi qui parlait sous dossier ça, eh bien, yo avancé des arguments juridiques, politiques, pour montrer que, après décision département, Trésor États-Unis prend, contre ancien président Martelly, eh bien, nan jou pralvini la yo, nan tek pralvini la yo, que ancien président Martelly, monsieur pral nan problème. Monsieur pral nan kouri. Et Désir Venès, baba nou menti, réaction en pile. Jodi encore, nan émission Kalfou Vérité, zam yo pral ge chance. Tande plusieurs réactions. Et gen yon partisan proche Martelly. Et nan Jean Suite Miki. Monsieur dit clairement que Martelly Suite Miki est déjà inscrit dans le défilé carnaval de Bordelan. Qui donc, Martelly qui a pris le défilé dans le carnaval de Bordelan qui a fait New York le 2 septembre qui a venu là. Et pendant ce temps, gen yon ensemble haïtien qui dans la diaspora qui New York. Mais qui, je vous n'ai mercredi, yo décidé à parler à comité capsier question ça. Vous yo dit, fais attention, si par malheur, que Martelly suite Miki, que Martelly a dirigé, ta nan parcours, te kousou chat, a joué, n'importe ça arrivé, sous parcours, yo responsable de ça. Et bien, moi qui dis, c'est de Haïtien qui dit. Et nous allons finir avec détail sur ça et déclaration au Désir Venès. En pile nèg en Haïti, qui c'était gros tête, gros membre dans le PHTK dans un moment, nèg qui a eu gros problème, et en pile nèg qui était dans le pouvoir Martelly, et qui t'a investi ensemble avec Martelly, nèg qui a commencé à avoir problème, et a commencé dans gros courir. Désir Venès, gè kozé, gè nouvelle. Nan question service intelligence palais national. Selon conseiller observateur qui c'est Frinel Joseph, monsieur ta ou interview avec Marie-Lucie Bonhomme. Monsieur moute clairement que oui, la présidence que je dis avec neuf conseillers, yo gen une enveloppe de 25 millions de goudes pour service intelligence la présidence. En raison que chaque conseil présidentiel t'a une somme de 2,5 millions de gouttes nommé pour service intelligence personnel yo. Très bien. Elle dit 25 millions de gouttes c'est pour service intelligence la présidence. Je dis en là, mais chaque conseiller qui a même fait partie, mais conseil en là, il y a toutes des possibilités, il y a 2,5 millions de gouttes nommé yo. Pour que yo capable eh bien gérer service intelligence yo. Pour qui ça côté nèg yo a dormi deuxième résidence est-ce que zone côté yo a safe tout bail ça yo alors que gen moun ka pose question pour qui ça c'est pas un système on dit une entité en deux d'appareil national quel lui même qui prend en charge service intelligence la présidence là la présidence gen service intelligence li ministère intérieur gen service intelligence li. La primatique service li, ministère de justice service li, la police service li. Mais kounya an gade, qui sa résultat, service intelligence sa ou bay en termes de résultat. Jusqu'à présent, vous ka gade, poko ge aucun action posé nan intérêt moun an di ke en termes de institution sa yo. Sinon, président Jovenel Moïse pata assassiné comme ça. Si service la présidence a décaissé toute l'agence ça bien que Marron Gobel était sous Jovenel, eh bien, tu as dû gagner de dispositions qui te prend pour te empêcher que Jovenel Moïse pour pas assassiner dans niveau ça. En tout cas, Désir Venès, nous pourrons parler et nous pourrons questionner ensemble des points de Désir Venès. Très bien, Blaise Peterson, ancien président Michel Joseph Martelly, et qui était sous pouvoir, sorti 2011 pour arriver 2016, qui pour qu'on y a dans Miami, pendant la chercher, je viens de permis de travailler, eh bien,
et autorités dans les États-Unis d'Amérique, surtout département Trésor et États-Unis d'Amérique, eh bien, prend disposition pour sanctionner Michel Joseph Martelly pour participation dans sa qui est pour avec trafic de drogue. D'après information Miami Herald rapportée, Blaise Peterson, avocat Michel Joseph Martelly a confirmé présence client niant dans Miami pendant qu'il refusait faire commenter plus. Cependant, il précisait que Martelly t'a considéré comme appliqué pour un permis de travail dans zone côté il trouvait là Blaise Peterson. Impact sanction sur Michel Joseph Martelly côté sanction et bureau contrôle bien étranger américain au FAC prend pour interdire institution financière américaine yo by Michel Joseph Martelly prêt ou soit crédit. En plus de ça, toute transaction l'argent qui dans juridiction États-Unis côté Martelly gain yon intérêt ben pratiquement interdit citoyen américain yo et yo interdit tout pour yo investi dans action ancien président haïtien ou soit dans dette qu'il capable gain Blaise Peterson. Mais si ça yo, c'est une réponse directe à soi-disant complicité Michel Joseph Martelly dans trafic de drogue illégal mondial d'après OFAC. Mot-clé Michel Joseph Martelly, sanctions américaines et permis de travail Miami, trafic de drogue OFAC finance dans ça qui vient pour avec un pays, les États-Unis d'Amérique. Dans ça qui concerne les questions corruption dans le pays d'Haïti, faut que nous disions Blaise Peterson et coup d'appel Port-au-Prince libéré ancienne directrice caisse assistance sociale là, madame Edwin Tonton, qui c'est ancien comptable institution et côté Pierre Richard Falès, yon libération et provisoire pour raison humanitaire sous demande avocale qui tape défendre et déaccusé si là-haut dans quatre dossiers corruption Blaise Peterson. Conseil présidentiel transition dans pays d'Haïti. Dans ça qui vient pour eux, yo accordé yon délai 4 jours qui cap venir avec expiration dans le dit qui a 26 d'août pour secteur qui pour gagner membre dans conseil présidentiel. Non, pardon, c'est plutôt et dans conseil électoral provisoire là, c'est ça qui a gardé yo gain délai et jusqu'à 4 jours pour yo bail moun paywa à part de ça, il y a gain pour prendre décision dans ça qui gain pour avec question et si là la situation. Question insécurité en dedans pays là, la mettre manchette c'est non un nouveau groupe gang qui formé dans Saint-Jean du Sud, d'après ça, agent exécutif intérimaire Joseph Estimé Dupont fait connaître une gang qui déjà commet divers crimes, li souligné gen mandat derrière, mais la police pas gen machine pour exécuter mandat c'est là. Si n'a pas fait coup de pied dans département la Tibonite et respectivement dans juridiction des Gonaïves, commissaire juridiction des Gonaïves là, maître Guyverna Guillaume adressé une lettre avec directeur départemental police monsieur Jean-Louis Paul Minard pour dire depuis novembre 2023 li gen 47 mandats qui pas gen suivi d'exécution et mandé pour directeur départemental avec la police force l'audio dans département la Tibonite arrangé pour exécuter mandat ça qui était et qui bail contre bandit cocorat ratio qui pratiquement empêcher population à traverser divers espaces surtout sur route nationale numéro et en sortie l'Esther pour venir dans la commune Gonaïve. Blaise Peterson, pendant passage ambassadeur pays les États-Unis en Haïti dans ville au Cap mardi 20 août 2024 ambassadeur américain Denis Hankins saluer sanction yo prend contre Michel Joseph Martelly. Li profite dit États-Unis pas gagné solution tout fait face avec problème insécurité qui gagne en dedans pays d'Haïti. Solution c'est dans mes haïtiens liés avant tout selon ambassadeur pays des États-Unis en Haïti. Nous voulons parler de Denis Hankins qui prend disposition si là. Dossier insécurité toujours. Et si la yo qui pratiquement trouvé ou dans situation très difficile, coordination qui lié avec question promotion pour dynamination et canapé vert, adressé yon correspondance avec ministre justice pour mandel pour prendre disposition lui-même avec directeur police nationale d'Haïti qui ka permettre que yon renforce force de l'audio dans la communauté ka permettre que population au moins joigne sécurité. Il y a divers avocats. Les personnes qui prononcent sous question Michel Joseph Martelly et pas oublier les Canada et bien sanction, les groupes experts Nations Unies t'ont déjà dit que Michel Joseph Martelly t'a participé dans ensemble distribution Zamba en équipe jeune garçon dans quartier populaire. Nous pouvons questionner, nous pouvons analyser avec amis internautes qui branchent tout partout parce que situation de jour en jour la vie plus difficile. Blaise Peterson dans ça qui a passé. Et pas oublier, il y a des confrères des médias traditionnels, médias en ligne qui pratiquement dans collimateur de CPJ
qui mandé pour ta mettre mandat d'amener contre Moussa. Il y a des confrères qui s'est dit, qui s'est gardé dans l'analyse, ils ont dit que DCPJ t'a voué vente li, parce que li mandé arrêté yon ensemble journaliste, parmi journalistes, yon journaliste femme qui travaille pour la Voix de l'Amérique, et pour question assassinat, viol, kidnapping, trafic d'armes, ak munition, parce que journalistes yon habitué à le couvrir, conférence chef gang barbecue, à bay, et moun yon fait quoi, c'est vraiment yon bouillie vide, là ou lié, journalistes yon, dans question ça, dans question, et assassinat, viol, vol, kidnapping, trafic d'armes, ak munition. Et cependant, ou pas de preuve pour prouver côté journaliste, t'es inscrit dans le modèle pratique ça. Sous parler de viol, qui est-ce que journaliste a été violé? Sous parler de vol, bagay qui moun que journaliste a été volé? Sous parler de trafic zam, à qui est-ce que journaliste a été acheté? Non, mais qui est-ce qui a acheté zam? À qui est-ce qu'elle te revend zam? Sous parler de trafic munitions, qui côté journaliste? Est-ce que c'est maïtrofonio? Est-ce que c'est camérayo? Est-ce que c'est téléphonio? Et qui rentre directement dans le trafic zam guerre. En pile comparaison, par exemple, moun yo a essayé de dire, est-ce que la DCPJ a arrangé pour questionner CNN, France 24, France 2, France 1, et tout l'autre média internationaux, des personnes qui pratiquement, qu'on vient faire interview avec Bandi, qui dans le niveau capital là, si yo parle de relations, des personnes, relations livas. Est-ce que DCPJ pas imaginé pour CNN, pour France 24, vin en Haïti, vin interviewer Bandio, ou bien vin faire reportage avec Bandio, li établi yon relation de près et de loin, soit direct ou indirect, qui a garanti journaliste international pour venir dans le pays en bless personne. Si Kounia, DCPJ, gagne des preuves tangibles sous confrère qui monnaie par les groupes armés, par les terroristes dans le pays d'Haïti, pour faire job, ça a pour yon blesse personne, qu'on y a que le CPJ, li fait travail. Mais en cas où, c'est passé un confrère, qu'on a fait interview avec Bandi, qui permet qu'il attribue avec Bandi, pour moi-même, nous sentons une menace contre liberté de la presse, qui est une grosse bataille, qui fait pour ça, blesse personne, c'est affaire que le CPJ, autorité de la justice, policière, ont besoin clair là-dessus, sous question ça, blesse personne. Désir, j'en ai dit, dans le dossier, Gébli, c'est pour nous toucher pour nous, mais là, mais dans tout dossier, yo, et ces dossiers, et ancien président Michel Joseph Martelian qui n'a pas gardé d'abord, et nous prenons gardé avec déclaration ça, que ambassadeur américain en Haïti, n'a pas de Dennis Hankins qui lui-même réagit concernant dossier sanction que département Trésor États-Unis prend contre ancien président Michel Joseph Martelian. Il est clair que ambassadeur Dennis Hankins, monsieur Moutke clairement que États-Unis pas fait abus avec avec Matéli. Ça yo dit, yo reproché de Matéli yo qui c'est trafic et drogue, trafic d'âme, blanchiment l'argent, avait dit yo que assez éléments preuve non mais yo que avant même yo prend une telle décision. Selon ça qui dit par ambassadeur Dennis Hankins. Et li montre à clair que jodi an ça qui rive an et ça qui produit an ça qui passe an eh bien yo États-Unis prend des engagements pour qu'elle continue de travail avec le gouvernement américain en façon pour yo capable exactement rive et de l'État haïtien et des peuples haïtiens dans la bataille contre la question insécurité. N'a permettre que le pays sa sorti dans le calpou difficile que le trouver le jour d'hier. Est-ce que comprendre? Que le jour là, ça que me l'ai comprendre, jour là, ça que me l'ai regardé, eh bien, c'est dit, non? C'est essayer de comprendre, c'est essayer de garder que situation qui existe, problème qui gagne, mais qui façon, mais dans qui niveau, qu'elle est capable de résoudre. Elle doit résoudre, amis internautes, nous. En nous attendant, alors, ambassadeur américain haïtien, Dennis Hankins, qui était entourné dans le Nord, et des journalistes, ils ont même posé la question, ça, sous sanction que département Trésor États-Unis prend compte, ancien président Michel Joseph Martelly, Désir Venesse. Devait se faire déjà par rapport au fait qu'on estime que Martelly, l'ex-président haïtien, est l'une des personnalités
les plus controversées et l'une des personnalités et qui aurait participé et au financement des gangs armés et autres.